c'est le coup d'envoi de ce premier quart de finale. Winner bracket. Le perdant ne sera pas éliminé entre BDS et Sandrock Gaming. Le jeu a démarré. Ouais, complètement. Et on est déjà dans le camp des Sandrock Gaming. C'est Matt qui va pouvoir récupérer. Récupération de Monkey Moon. Pas de contre obtenu par le joueur français. On repart vers l'avant et un K qui s'est renommé. À mon avis, ça doit être Tulk. Il s'est renommé de la lettre suivante. On a un ballon dans le camp des Sandrock Gaming. Et déjà une occasion pour Extra qui, dans la surface de réparation, ne se fera pas prier pour ouvrir le score au bout de 30 secondes de jeu. Ouais, une situation très 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 délicate là, avec cette relance dans l'axe de ce joueur, c'est TRK51, son pseudo complet. Oui, c'est ça, c'est Turk, comme tu es. Ah, c'est dit Turk. Turk. On va partir sur. Je sais pas, j'ai des doutes. Il faut que je réfléchisse un petit peu. On va dire le remplaçant. Moi, je vais dire le remplaçant de Senzo. Le remplaçant de Senzo, ça risque d'être compliqué. Hein. Mais je peux te confirmer parce que, bon, ça. Alors, il y a eu des petits leaks et des petites discussions. Effectivement, Okalid. Ah, mais c'est Okalid, effectivement. Donc, on a Okalid derrière. Après, c'est vrai que l'overlay, il y a une petite bêtise là qui est faite. On a des petites étiquettes. Ça va être compliqué hein, de commenter, mais on va retenir les skins des voitures. On est reparti du coup. Avec Marbae qui va pincher dans le corner, pour l'instant toujours 1-0 pour BDS dans cette première minute de jeu. Effectivement, dans les airs, Amad qui tente quelques faces ici, la conduite de balle avec son décal Space Station. Ça a été bien défendu, la défense qui a pu récupérer. Khalid qui essaie de maintenir la pression, l'accélération d'Extra pour lâcher vers Monkey Moon. Non, Extra qui vient prendre le contre, c'était Marbae qui l'avait accompagné. La relance de Khalid, le décollage de très très loin de Marbae, c'est une touche en retrait. Pour Extra qui va prendre son temps pour dégager en demi-volée, mais c'est intercepté par Turk. Ouais, Marbae qui va combiner directement première intention, réceptionné directement par Amad. Attention pitch, on va se diriger dans le camp des BDS. Malheureusement, mauvaise touche de Khalid là dans le corner. On repart de l'autre côté avec Extra qui est directement récupéré par c'est Tulk 511. Au contre de Monkey Moon à venir, on a un ballon dans le corner récupéré par Extra, mais on est en 2 contre 1. C'est compliqué de subir ici. Belle frappe de Marbae mais sans danger pour Tulk. Monkey Moon qui va temporiser. Effectivement, s'il n'y a pas d'overlay, nous y sommes pour rien. On peut essayer de bricoler peut-être pour la game numéro 2. On va voir avec nos correspondants du côté de WePlay Esports. Voilà, ils nous envoient des images vidéo. Donc on n'a pas prévu normalement l'overlay est fourni. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont du côté du stream anglophone, s'ils ont un overlay là-bas. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir nous l'envoyer, je pense. Il suffira qu'on leur demande. Mais ça nous empêche pas, d'assister à ce but d'Extra, le but du break pour la team BDS à la moitié de cette première game. Allez, le doublé d'Extra, effectivement, avec un superbe cron de Monkey Moon. Allez chercher un pré-flip dans le corner, exceptionnel avec Extra qui va redresser ce ballon dans le petit filet. L'Extra qui fait pour l'instant la différence, moitié du temps réglementaire. Et c'est BDS qui mène pour l'instant la danse. Monkey Moon, pourquoi pas, nouvelle opportunité avec le pré-flip. Il est tout seul, le flic, pour servir Marbae. On va chercher le troisième but pour BDS. Ouais, là, ça, sur ce kick-off, hein, parfaitement négocié derrière Monkey Moon qui vient anticiper. Hein, il se positionne au-dessus avec plus d'altitude que son vis-à-vis. Ça lui permet de prendre le contre-favorable, de passer, de déborder, de servir dans des conditions idéales son coéquipier. 3-0, le troisième but qui vient très très vite. Les Sandrock Gaming qui sont un petit peu dépassés là. Ouf, et attention, on n'est pas loin du 4-0. Marbae pour aller signer le doublé. Il vient rejoindre Extra dans le tableau des scores. Ouais, ce ballon dans l'axe derrière le pinch favorable pour l'Espagnol. Et derrière, on vient corriger cette trajectoire avec le dash. 4-0, score sans appel pour l'instant. Sandrock Gaming, malheureusement. Qui est toujours dans la tourmente dans ce début de rencontre. Ça fait 3 buts concédés en 20 secondes. Donc là ils sont dans l'œil du cyclone avec cette déferlante de BDS qui s'abat sur leur but et les Saoudiens qui sont impuissants. Allez, Turk qui va essayer de repartir, peut-être une passe, un pinch. Ah, ce sera raté, ça trouve pas de coéquipier. Ça a été récupéré par Marbae, il me semble. Non, c'était Monkey Moon, je pense. Turk qui se rate, quoique une possibilité de ceiling shot. Bonne défense de Monkey Moon qui est allé très très vite là au duel, au contact. Le contre favorable de la part d'Extra, ouais, sans boost là, qui réussit hein, avec son inertie, avec son momentum à aller chercher le duel. Marbae qui contrôle, qui emmène sur le côté. Oh, attention, là on s'est gêné. Là, il y a peut-être une opportunité de ressortir. Aïe. Allez, directement le kebab. Malheureusement d'Amad et on va devoir retourner dans le corner. Très bien contré par Monkey Moon. Tulk, est-ce qu'il peut reprendre ce ballon? Il y a Extra qui est bien positionné pour récupérer le ballon. Contre-attaque à venir pour les BDS. Pourquoi pas aller chercher le score de la Manita? Il y a un ballon dans l'axe, double commit
du côté des descentes de Rock. Derrière, on remet ce ballon sur le backboard. On défend plutôt bien sur la barre transversale du côté de Turk. Extra, hein, qui est premier dans les airs. On va pouvoir temporiser un maximum. Le bon bump assuré de la part de Monkey Moon. Derrière, c'est Okalid qui va essayer de trouver personne dans l'axe pour suivre le coéquipier. Attention, ce ballon, ouais, il s'était cadré. Heureusement, c'est Turk qui dégage. Dans les airs, Monkey Moon, la passe axiale, ouais, pour Marc Bayet qui lui remet finalement. Il ne pouvait pas tirer directement. Il n'aurait pas pu mettre de puissance. Pas suffisamment, en tout cas, pour tromper une défense qui aurait sans doute réussi à stopper ce ballon. Là, on se dégage. La récupération de Monkey Moon. On se balade hein, pour le moment côté BDS avec tous ces espaces. On se trouve et en dedans, Marc Bayet pour le but du 5-0. Et l'addition commence à être très salée. Voilà, la Manita qui fait mal. Hein. Marc Bayet tout seul pour mettre ce ballon au fond. Pour l'instant, c'est un non-match de la part des Sandrock Gaming. Les BDS qui sont pour l'instant à l'échauffement extra. Monkey Moon et Marc Bayet, ouais, qu'on redécouvre hein, finalement après cette double défaite contre Vitality. Là, on les sent en confiance en tout cas. Extra qui va mettre son quatrième but. Et ouais, on est vraiment sur une routine de promenade de santé. Le mental des Sandrock Gaming, là, cette touche de balle. Je sais pas qui c'est, donc je vais pouvoir accuser personne. Mais le mental, les Sandrock Gaming, ça n'a jamais été une équipe très très forte hein, mentalement. Une fois, à partir du moment où ils sont dominés, où ils ont lâché une partie, je les ai très rarement vus revenir. Là, on est dans un BO7, on va pas les enterrer tout de suite. Mais je sais pas si c'est très... je sais pas si ça sent très très bon pour l'équipe du Moyen-Orient, ouais, là. Je te rejoins, effectivement. Honnêtement, on espère en tout cas avoir un peu de caractère, parce que c'est vrai que ce but-là, j'ai l'impression qu'honnêtement, c'était très volontaire. On a cherché le home goal. On espère avoir quand même un autre visage. Si on a des 5-0, ça va être compliqué, Boyan, pour commenter. Non, ça va pas être très agréable. On a 7 des meilleures équipes d'Europe. On a un casting absolument extraordinaire. Et allez, on va vous laisser un petit peu apprécier les images du studio pour ceux qui ne sont pas allés voir. Donc voilà, c'est très 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 joli. À gauche, Digital Bacon. À droite, Thai Lacto. Et ici, Imagine Action et moi-même. Cette première game, bon. Ouais, je sais pas quoi dire. Hein. Écoute, Boyan, 6-0, je sais. À part que BDS est en pleine forme, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Et Sandrock Gaming, qui pour l'instant, il faut justifier un peu le ticket, quoi. Il faut justifier l'invitation. Donc là, je pense que la suite des événements, il faudra montrer quelque chose. C'est ça. Et bon, on vous voit hein, dans le chat. Ah bah voilà, ça veut jouer en RLCS, Et là, bim, ça se prend 6-0. BDS Sandrock Gaming. Ils ont fait des prestations. Ils ont fait de grosses performances par le passé. Ça leur est arrivé. Après, voilà, forcément, il y a de la pression. Maintenant, ils savent qu'ils vont être attendus. Puis, moi, j'espère quand même le retour de Senzo. Je suis un puriste, vous me connaissez. Très nostalgique. Le roster historique de Sandrock Gaming, c'est celui-ci que je veux voir en RLCS. C'est pas que je l'aime pas, Turk, mais Senzo, bah, c'était le plus sympa pour moi en plus des trois. Effectivement, c'est du coup Turk qui vient des Falcons eSports. Et effectivement, il n'y a pas le temps d'adaptation. Et puis, c'est pas le même niveau que Senzo, parce que vraiment, il y a un niveau au-dessus pour ce joueur qui est là depuis toujours, en fait. Vraiment, c'est un joueur qui est dans le leaderboard depuis déjà 3 ans. Senzo, top 100 solo standard, top 100 standard. Enfin, vraiment, c'est un joueur de 3v3 pur. Enfin, là, du coup, il va falloir composer avec cette équipe, du coup, avec les Sandrock Gaming, ne pas subir le début de rencontre pour les BDS qui, pour l'instant, sont en pleine forme offensivement. Effectivement, on va voir s'ils vont continuer à dérouler les vice-champions RLCS. RLCS 10, avec une pression qui est mise par les Sandrock Gaming là dans le coin de corner de BDS. Mais la rotation pour le moment est bonne. Il a toujours quelqu'un pour contrer le duel là qui est remporté par Marc Bayet. Extra qui va décaler vers Monkey Moon pour la frappe. Ouais, bonne sortie là de la part de Khalid. Et ça a été renvoyé par Tolk, il me semble, à la réception. Oh, il est allé dépasser son vis-à-vis, prendre de vitesse. Monkey Moon à la défense, il prend le contre favorable. L'appel de balle de Turk. Non, Khalid va y aller tout seul dans les airs. On vient à sa rencontre. Deux joueurs se sont jetés. Ouh, Turk qui passe à côté de son ballon à court de boost. Ouais, effectivement, il y avait une occasion pour les Sandrock Gaming. Malheureusement, ce sera une touche ratée. Et attention, parce que ça part directement contre-attaque du côté de BDS. Ouais, Ahmad. Non, c'est Turk qui va essayer d'utiliser son flip reset pour webdash. Mais finalement, il ne pourra pas l'utiliser. Khalid va aller prendre le reset sur le ceiling. Pas de dash utilisé malheureusement par le Saoudien. C'est Marc Bayet qui peut récupérer.
Ouais, malheureusement, il y a un manque de coordination. Là, on a un joueur qui revient défensivement, qui vient challenge derrière le deuxième qui va essayer de suivre. Malheureusement, bah, ça va rendre ce ballon à BDS. Marba avec le setup vertical pour conserver. Malheureusement, il ne pourra pas retoucher ce ballon. On va quand même essayer de combiner dans le corner. On attaque le backboard adverse, mais c'est tout de même bien dégagé. Dans les airs, c'est prolongé par Okalid, ça ne trouvera personne et Extra va prendre son temps pour repartir. Le flic peut-être un poil précipité, il n'y avait pas vraiment en danger, j'ai l'impression. La passe de Monkey Moon, Mark Bayade peut-être un kebab, il n'a pas pu reprendre. Oh, attention, ce rebond là qui vient feinter Extra, qui se replace là au premier poteau. Heureusement qu'il y avait Monkey Moon pour aller mettre la pression, empêcher la frappe dans les bonnes conditions pour le joueur de Sandrock. Là, ça se bat avec Extra, plus de boost, on lève le ballon. Après 2 minutes de jeu, en tout cas, Ima, on a une rencontre un petit peu plus équilibrée et même une petite domination territoriale des Oranges. Ouais, exactement, là on a un peu plus de temps côté BDS. Alors là, on est en train de tester un peu la défense parce que BDS, c'est peut-être la première fois du coup du BO qu'ils sont en train de défendre. Bon, on les voit qu'ils sont en train de défendre assez solidement le backboard pour l'instant, mais quand même en train de subir. Allez, encore la moitié du temps réglementaire, nouvelle offensive pour Okalid, il se fait directement contrer par Monkey Moon, on repart dans les airs, directement démoli par Monkey Moon, le pauvre Ahmad. Alright, la relance vers l'avant, l'Espagnol qui va pouvoir dégager, mais c'est pas terminé, on remet ce ballon dans la boîte, Extra qui peut dégager, est-ce qu'on a une connexion avec Monkey Moon de l'autre côté, finalement, il va pouvoir reprendre ce ballon incroyable, Monkey Moon, qui arrive à subtiliser des ballons dont de ses os et il arrive à repartir avec la possession. Attention, ce nouveau ballon dans l'axe, ça part dans le corner. C'est bien dégagé par Monkey Moon. Ouais, là, on se renvoie les ballons. Une phase de ping-pong, quoique. Une bonne transmission. Bah, pas de double tap là pour Ahmad. C'était bien tenté. Okalid qui est derrière. Il va essayer de passer en force. Mais on est présent au premier poteau par l'intermédiaire de Monkey Moon. Ahmad qui va repartir. Le ceiling shot peut-être. Il va prendre son temps. Il va frapper. Oh, c'est Ahmad. Excellent. C'est parfaitement exécuté. Et c'est l'ouverture du score des Sandrock Gaming. Ah, c'est parfaitement temporisé. Le reset est récupéré. Derrière, on va juste booster et dasher. Lorsque l'adversaire va essayer de piquer ce ballon à Matt qui vient ouvrir le score pour les Sandrock Gaming. Et là, on va avoir un BDS totalement différent. Ils vont devoir aller marquer, ils vont les sûrement ouvrir des espaces. Et on peut avoir une équipe des Sandrock Gaming qui peut peut-être capitaliser pour aller inscrire un deuxième but. On va voir ça dans les prochaines secondes. Belle relance de Okali directement. Il va trouver Tulk. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer? On est bien regroupé côté BDS. Attention à cette relance axiale. Oh oui. Déjà 2-0 pour les Sandrock, attention BDS. Mais ouais, c'est puni, en tout cas on a réussi une très très bonne sortie de balle hein, avec ce ballon très très haut. Là Mark Bayate, ouais, c'est une erreur, c'est une passe axiale dans l'axe de son propre but, une relance dans l'axe. Ima, on sait que c'est interdit ces choses-là, même s'il y avait l'appel de balle de Monkey Moon, on ne s'est pas compris, ça a été insuffisant. Mark Bayate qui va pouvoir repartir, le pré-flip, malheureusement il va aller chercher un contre, ça ne donnera rien derrière, attention, s'élance dans les airs, mais Extra est beaucoup plus rapide dans les airs, Extra de nouveau, attention Monkey Moon, il a pas mal d'espace, le crochet peut-être enchaîné avec la frappe directe, c'est une feinte, et il va pouvoir passer pour aller réduire l'écart, Monkey Moon, quel phénomène de ce joueur, de la part de ce joueur français, mais c'est magnifique. Oui, c'est magnifiquement exécuté, hein, effectivement, Ima là. Ce petit fake pour venir réduire le score et essayer de remettre les pendules à l'heure. 1 minute 24 restante. Sandrock toujours devant à la faveur de leurs 2 buts inscrits. Mais voilà, avec les fulgurances dont sont capables les joueurs de BDS, cette game numéro 2 n'est pas terminée. On a de la qualité en tout cas hein, dans le dribble, dans l'art d'éliminer les adversaires. Attention, nouvelle frappe de Mark Bates a bien été défendue pour l'instant par les joueurs de Sandrock Gaming. Nouvelle relance, ouais, c'est dans l'axe, on va pouvoir récupérer, mais on va temporiser du côté de Monkey Moon. Attention quand même parce que c'est un ballon rendu aux adversaires. Extra, ouais, il va essayer de trouver Monkey Moon, c'est un contre tenu, il y a un double commit du côté de Sandrock. Est-ce qu'on peut capitaliser? Ça va être compliqué là. Arbeck qui va peut-être essayer de créer un peu d'espace de l'autre côté et on va pouvoir repartir du côté d'Okali. Un peu d'hésitation tout de même, ouais, pourquoi pas un pré-flip? Ça ne donnera rien, c'est Extra qui peut dégager. Attention, la situation favorable, pas énormément de ressources pour Monkey Moon et on ne va pas le laisser jouer la double tap. De toute façon, il n'avait pas de boost. Attention, ce ballon qui rebondit, qui feinte la défense. La deuxième touche d'Extra qui n'était pas prévue. Et ouais, Mark Bayet qui est obligé d'aller jouer ce ballon dans le coin de corner. Et c'est une passe pour Monkey Moon qui vient trouver effectivement la lucarne rentrante pour l'égalisation. Ouais, Monkey Moon, il fait la différence hein, pour l'instant. Il a temporisé ici et il allait chercher le seul endroit où le défenseur ne pouvait pas la prendre. Incroyable, Monkey Moon qui signe le doublé au meilleur moment dans le Money Time à 30 secondes de la fin. BDS arrive à recoller au score. Bah, c'est cruel, c'est dur pour les Sandrock Gaming qui y croient encore avec TRK Tulk qui retourne à l'attaque.
ballon dans les airs, ce sera pour Khalid qui renvoie, il y aura de la défense, ou bien joué la petite touche en retrait, c'est pour Tull qui tire sur le poteau. Oh là là, là il a tremblé le nouveau joueur des Sandro Gaming, et il avait l'occasion de donner l'avantage à son équipe dans les ultimes instants, et c'est au contraire les BDS qui sont désormais à l'attaque avec Monkey Moon qui va renvoyer. Extra ne sera pas là, c'est un ballon rendu à la défense et on part dans le premier overtime de ce WePlay Esports Invitational. Allez, c'est reparti de partout et attention à ne pas se prendre de kick-off goal. Extra qui va chercher un très bon contre. Derrière, on va essayer d'écarter le danger du côté des Sandro Gaming. BDS sur le backboard. Est-ce qu'on peut chercher un troisième joueur? Mark Bay qui sera pas très bien partir là sur ce ballon. C'est de prendre un peu l'espace côté gauche. Ballon renvoyé sur le backboard. Extra peut-être pour terminer. Finalement, la frappe est dévissée. Astucieusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, il y avait le contre très favorable de la part du joueur de Sandro. Ouais, ça s'est bien goupillé. De toute façon, il n'avait pas de boost pour relancer. Ouais, il y a un véhicule. On ne l'avait pas vu dans un premier temps, mais oui, il y avait bien quelqu'un. Ce n'était pas un open net flagrant qui aurait été une faute professionnelle du côté de Sandro Gaming. En tout cas, il va être très important ce but parce que mentalement voilà. Bon, j'insiste un peu trop là-dessus, peut-être, mais j'attends de voir un Sandro Gaming qui arrive un jour à remonter une situation absolument désespérée. Et pour ne pas se retrouver dans cette situation désespérée, il vaut mieux pour eux qu'ils inscrivent le but en or. Ah, il va falloir pour aussi faire durer le suspense, hein, et pas sûr qu'ils arrivent à se relever d'une défaite ici. Superbe contrôle d'extra. Oh, personne malheureusement pour reprendre, mais très bon retour défensif d'ailleurs, hein, il apporte de la plus-value toujours à l'équipe. Monkey Moon qui se fait directement stopper par Khalid. Mark Bait peut-être, ça va manquer de ressources là pour l'Espagnol. Dans le corner, Mark Bait ne pourra pas donner grand chose. C'est Extra qui va essayer de peaufiner, et Hamad pour une transition directement stoppée par Monkey Moon. CDS qui essaie de conserver le ballon dans le camp des Sandrock avec ce magnifique pinch de la part de Mark Bait. Attention tout de même à cette contre-attaque. Ouais, Extra un petit peu trop attentiste là sur ce duel. Il va faire l'appel de balle, il sera servi, il sera au-dessus de son vis-à-vis. Au Khalid à la récupération, Monkey Moon peut-être en deux temps, va-t-il réussir à cadrer? Il n'aura pas réussi à établir le contact avec le ballon sur la deuxième touche. Mark Bait, ouais, c'est finalement Extra qui vient remporter le duel au péril de sa vie dans les airs. Monkey Moon, le duel n'est pas franchement remporté. Attention, il y a peut-être un petit peu d'espace là pour Mark Bait en deux temps contre le backboard. Bon travail pour aller libérer l'espace à Extra qui vient inscrire le but en or après près de 2 minutes de prolongation. Extra qui était au bon endroit là, honnêtement, juste avant la démolition, il a donné sa vie pour aller offrir cette victoire à BDS. Le break est fait dans ce BO7 avec un match assez disputé là pour cette rencontre. Sandro Gaming qui menait de 2 à 0, malheureusement, qui s'est fait vite remonter par Monkey Moon tout seul. Ouais, c'est dur. Ils avaient très très bien commencé, hein, avec ces deux buts inscrits, ce très joli but. C'était qui? C'était Hamad qui est venu inscrire un joli ceiling shot. Derrière, on va repenser, je pense, à cette action dans les ultimes instants, dans les 5-6 dernières secondes du temps réglementaire. C'est Turk qui a raté une très très grosse occasion qui aurait permis à son équipe de sans doute venir égaliser dans ce BO7. Mais là, la moitié du chemin est accomplie par BDS en vue de se qualifier pour les demi-finales Winner Bracket. Avec un Monkey Moon, voilà, la feinte, la frappe top corner, c'est ce qu'on attend d'un joueur, le véritable striker de son équipe. Avec Extra, un renard des surfaces pour aller mettre le troisième but au bout d'un overtime assez disputé tout de même. Alors voilà, il y a eu quand même un comportement différent de Sandro Gaming. Voilà, on essaie de jouer la bataille au niveau du terrain. Mais il en faudra beaucoup plus. Alors, est-ce que le ping fait la différence? Pourquoi pas sur le dernier but? C'est vrai qu'il y a une petite distance qui fait que, avec un ping différent, on peut peut-être obtenir un contre. Mais il faudra jouer avec toutes ces armes-là du côté de Sandrock pour essayer de remonter BDS. Effectivement, il va falloir essayer. Ils savent faire, hein. Ils sont capables de venir poser pas mal de problèmes. On va voir en tout cas la game numéro 3. Il va falloir la remporter celle-ci, parce que sinon c'est 4 balles de match. Et 4 balles de match, Sandro Gaming de mon vivant, les remonter, je n'y crois pas. Ouais, effectivement, première occasion pour Extra avec Khalid. Il va pouvoir neutraliser ce premier duel dans les airs. Monkey Moon va reprendre le ballon. Très bon contre favorable là, de la part du joueur français. Deuxième également. Il peut encore jouer ici avec un nouveau contre. C'est incroyable comment il optimise les 50-50. Mark Bait dans le corner. Ce sera très bien défendu par Okalid qui dégage dans dos de la défense des BDS. Au contrôle de Monkey Moon. Est-ce qu'il en appelle de balle dans l'axe? Ça peut être dangereux. Extra qui peut récupérer, mais pas de ressources.
pour poursuivre son effort. Monkey Moon, il y a Mark Bay qui fait l'appel de balle au centre du terrain, c'est un peu compliqué, on a tenté le solo play, le flip reset derrière, Mark Bay est au-dessus, il n'y a pas de troisième joueur, poursuivre extra est un peu trop lent. Ouais, il parvient quand même à mettre la pression là, gêner la relance des Sandrock Gaming, même si Okalid, ouais, dans les airs, il est battu par Monkey Moon, extra face à Amad, ça drop devant le but. Mais ouais, pour le coup, Mark Bay, c'était impossible qu'il se retrouve aussi haut sur le terrain. Monkey Moon qui est face à Amad, derrière il y a Okalid, décollage d'extra, le duel. Bonne solidité là dans les airs de la part du leader technique, hein, Okalid, de cette équipe de Sandrock. Monkey Moon vers extra, c'est très bien fait, il va prendre son temps, l'ancien joueur de l'AS Monaco, il vient prendre le contre favorable, il a toujours peu de ressources, mais il y va à chaque fois, hein. Extra, il arrive à faire souvent le bon geste même s'il n'a plus de boost. Effectivement, c'est un optimisateur de tout ce qu'il peut faire dans son gameplay extra. Attention, parce que ce ballon il traîne dans l'axe, toujours zéro partout, mauvaise touche de balle de la part d'Amad qui veut utiliser son privilège pour redescendre, c'est très bien joué. Dulk sur le backboard, ouais, une très belle touche d'extra là qui peut écarter le danger, mais c'est pas terminé. Dulk dans les airs, attention, il reste que Monkey Moon en défense, il va pas utiliser son dash malheureusement. Et pas de défenseur qui l'attaquait, il a essayé d'attendre au maximum, malheureusement ça ne donnera rien. Monkey Moon à la reprise, non finalement c'est Amad qui va pouvoir le contrer, le préfil peut-être pour donner quelque chose. Attention, ce ballon intéressant, Boyan, ça ne passera pas, Monkey Moon veille au grand. Ouais, il est imprenable, hein. Il est imperturbable, il est plein de sang-froid, Monkey Moon, il ne se jette pas. Il a pour l'instant vraiment une longueur d'avance sur cette équipe de Sandro Gaming. La touche de balle de Turk, ça ne donnera rien, on défend hein, le long du backboard. Et attention à Mark Bayet qui est allé remporter ce duel dans une situation assez cocasse. Encore une fois, l'Espagnol qui se bat, qui permet à son équipe de remonter le terrain. Là, extra qui multiplie les touches, Monkey Moon qui récupère. Il sera battu cette fois-ci par Turk qui essaie de s'échapper côté gauche. Extra qui récupère, ça sera pour Okalid qui a la possibilité d'orienter le jeu, le contrôle pour s'emmener ce ballon. C'est perdu, derrière nouvelle chance d'essayer de ressortir. Ils sont acculés dans ce coin de corner les Sandrock. Et attention extra finalement qui était un peu loin, dernier défenseur extra qui va toucher d'extrémis ce ballon, toujours zéro partout les Sandrock, peut-être la passe un peu trop téléphonée et malheureusement les Sandrock qui vont devoir reculer au niveau du terrain. Amad la relance, il n'y aura personne pour récupérer ce ballon, c'est Mark Baek qui peut y aller tout seul, le ballon est au-dessus, derrière heureusement qu'Okalid est là pour défendre le backboard. Dulk ouais, qui est premier, Mark Baek avait bien anticipé, sera premier sur le ballon, attention parce qu'il manque de ressources l'Espagnol. Amad ouais, vers l'avant et Monkey Moon le très bon clear, la bonne intervention défensive et toujours zéro partout. Allez là c'est les Sandro Gaming qui font le jeu, on voit une équipe de BDS qui attend ce long ballon. Il sera un ballon rendu au Sandro qui essaie de repartir. Cette fois-ci, c'est Monkey Moon qui met la pression. La transmission vers Amad, Mark Bayate qui recule, qui laisse extra, qui est juste derrière lui. Toujours en place, hein, sans se précipiter, les BDS. Ils sont patients, ils renvoient les ballons et ils attendent une erreur qui sans doute, expérience, pense-t-il, arrivera. Monkey Moon le contrôle en deux temps, il va essayer de ralentir le jeu peut-être, alors, ça ne donnera rien, il vient un petit peu s'empaler sur Okalid, là peut-être Mark Bayate sans ressources, ça ne donne rien. Il reste un petit peu plus d'une minute de jeu dans cette game numéro 3, toujours 0-0 et très peu d'opportunités, on a deux équipes qui cherchent avant tout à défendre hein, j'ai l'impression. Ouais exactement, dès que ça perd le ballon vraiment ils vont tout de suite se replacer et on est à 3 contre 3, c'est quand même assez compliqué pour libérer les espaces. Donc on attend des démolitions, on attend des bumps, on attend du contact physique peut-être avec Extra qui débloque justement souvent ce genre de situation. Mark Bayate qui va aller chercher un contre favorable sur son air drive. Malheureusement, Okalid n'est pas droit sur le 50-50. L'Espagnol débloque la situation. Ouais, effectivement, Okalid qui essaye de rétablir sa trajectoire. Pourtant, il a du boost. Hein. Il était à 36 lorsqu'il a été passé par Mark Bayate. Il va s'en vouloir, c'est dommage, 45 secondes, l'ouverture qui est trouvée par l'équipe franco-suisse avec des relents espagnols, Monkey Moon, ce sera pour Extra juste derrière, le contrôle est un petit peu manqué, il parvient quand même à crocheter face à TRK, il se bat derrière, ça va être récupéré par les BDS et Mark Bayate. Ouais, Monkey Moon, est-ce qu'on a une passe au milieu de terrain pour Extra? C'était peut-être la meilleure solution, mais il a préféré la frappe. Il y avait un peu d'espace, c'est vrai. Ouais, Mark Bayate, bonne communication avec Monkey Moon, qui avait une frappe pour essayer de mettre un peu danger au niveau des Sandro Gaming. 10 secondes, du coup, il va falloir tenir la baraque pour les BDS. Attention, la passe axiale derrière, bien défendue par Monkey Moon. Amad, peut-être qu'il va essayer de tenter une double tap, mais c'est très bien contré par Extra. Amad, pour la dernière occasion, ce ballon est maintenu en vie. Derrière, c'est Monkey Moon qui peut repartir. Il va falloir essayer de feinter un tout petit peu ce ballon pour aller chercher les premières balles de match. Ouais, les premières balles de match, elles sont au nombre de 4 là pour
pour BDS, ça veut dire qu'il va falloir les défendre du côté de Sandrock Gaming, et ça veut dire, encore une fois, excusez-moi, j'en remets une petite couche supplémentaire, mais le mental des Sandrock Gaming, là, à mon avis, il se voit déjà en lower bracket. Je ne les ai jamais vus réussir à remonter une situation, mais je n'attends que ça. Je n'attends que ça en réalité. En plus, on est en upper bracket, donc même si BDS venait à perdre, ce serait pas très très grave. Voilà, pour nous faire vibrer, pour me faire mentir, j'adore qu'on me fasse mentir, j'adore avoir tort, c'est pas vrai. Allez, le river sweep de Sandrock Gaming, il va partir de là. Ouais, on attend, en tout cas, mais là, il n'y a pas de but inscrit dans cette rencontre, ça fait peur, honnêtement. Bon, en vrai, les deux équipes ont très très bien défendu sur cette rencontre. On avait souvent 2-3 joueurs en place, le backboard défendu, on protège la cage, bref, c'était quand même assez solide, c'était compact. Et justement, bah, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la routine, on dégage devant, on dégage sur le backboard, sur le côté, il n'y a pas assez de passes dans l'axe, il n'y a pas assez aussi de démolition et de bump. Et du coup, bah, tu ne crées pas de jeu comme ça, il n'y a pas d'espace disponible, il faut absolument faire quelque chose du coup dans ces cas-là. Et j'ai l'impression qu'on a un peu la tête dans le guidon quand on joue comme ça sur Rocket League avec Sandrock Gaming, c'est-à-dire qu'on est toujours sur la même tactique, on va renvoyer le ballon, mais on n'arrive pas à se trouver les uns les autres, c'est un collectif qui doit jouer. Et BDS, bah, sur un mouvement, du coup, voilà, sur un éclair de génie de Marc Baet, a su faire la différence. Il en faudra donc beaucoup plus pour les Sandrock pour aller chercher un river sweep. C'est parti donc pour la game numéro 4 sur Neo Tokyo. Victoire absolument impérative du côté de l'équipe orange de Sandrock Gaming. Les joueurs saoudiens invités surprise de cette compétition qui compte les 7 meilleures équipes d'Europe. But d'extra après 15 secondes de jeu. J'ai pas fait attention à tout ce qui s'était passé, mais c'est un enchaînement de duels, j'ai l'impression. Ouais, un très bon 50-50 de la part d'Extra. Il a pris sa chance, il avait raison. Parce que là, il avait toutes ses chances de remporter son duel. Et même si ça partait à côté, à mon avis, Extra, il était tout seul. Tous les coéquipiers de... Je sais pas, c'était qui le défenseur, il me semble que c'était Tolk qui avait attaqué le ballon. Il était parti aux ressources ou aux oubliettes. En tout cas, ça fait 1-0 pour BDS. Est-ce qu'on peut aller chercher une double tap ici? C'est très bien défendu par Extra. Omar Baet, le pré-flip, est-ce qu'il va pouvoir la remettre? Finalement, il a tenté une retour d'acrobatique, ça ne passera pas. On va pouvoir défendre du côté d'Aman, on va essayer de trouver Okali de l'autre côté, mais attention, les BDS sont déjà en contre-attaque. Ouais, ça se trouve, hein. on est serein. Peut-être une touche de trop là du côté de Marc Baet et Monkey Moon va être tout seul. Mais voilà, il ne s'embarrasse pas de ce ballon, il renvoie en demi-volée, il se fait détruire et il va repartir avec du boost. Non, c'est terrible. Oh, ça se coupe bien. Mais oh, ça va être au fond. Marc Baet pour conclure. Et oui, l'Espagnol, cette fois-ci, ils étaient au bord de la rupture, les Sandrock Gaming, et ça a rupté. Ouais, là, c'est deux touches de suite. Malheureusement, on aurait pu laisser ce clear partir de côté dans l'espace libre. Et malheureusement, on a redirigé ce ballon dans l'axe. Frappe de Mookie Mook bien enchaînée. Belle save derrière. Mais malheureusement, ça ne tient pas face à Marc Baet. Le sniper de l'équipe des BDS a parlé. Très bon bump d'ailleurs de ce dernier. Oh, Mookie Mook ne pourra pas retoucher ce ballon. On va essayer de repartir très vite vers l'avant du côté des Sandrock. Pas double tap, mais pourquoi pas Mad pour se matcher ce ballon. Et qui la sauve malheureusement? Là, c'est Tolk. Khalid, la tentative de débordement avortée par Extra derrière Ahmad qui se bat, hein, qui jette son octane pour essayer de remporter le duel. Mais on a, bah, y a cette science des duels, hein, tout simplement, du côté des BDS qui est assez inégalé. Il faut peut-être le reconnaître. En tout cas, sur la saison RLCS dernière, pendant une très très longue grosse partie, eh bien, elle était complètement inégalée, cette science des duels. Monkey Moon pour le centre en deux temps. Oh, il y a Marc Baet au second poteau qui va aller reprendre, remettre contre le backboard. Extra pour conclure. Ouais. Et bonne défense de TRK. Il était loin, le français. Ouais, il était un peu loin, effectivement. Et on a vu Marc Baet tourner les roues. Hein. Il avait peut-être une occasion à jouer, mais on a joué la communication et la sûreté. C'était très bien joué de la part de BDS. Ouais, toujours 2-0 pour. Oh, attention avec ce compte favorable d'Extra. Extra, la spécialité du chef, hein, j'ai l'impression. Les 50-50 positifs. Avec bah, ce contrôle un peu anodin et TRK qui va rediriger ce ballon. Je sais pas ce qui s'est passé ou est-ce qu'on a une retouche d'Extra. J'ai pas trop compris, Boyan, pour la touche. Tout ce que je sais, c'est que c'était un open net, hein, et il a suffi pour Extra de cadrer. Et ça fait 3-0. On n'est même pas à la moitié de cette game numéro 4.
Et c'est pas aujourd'hui que les Sandro Gaming vont me faire mentir, j'ai l'impression, parce que là ils sont plus du tout dedans, ils sont ultra dominés et collectivement ça commence à perdre du liant, à laisser beaucoup d'espace. Là il y a eu un bump entre Mark et Monkey Moon Extra qui est tout seul temporairement, mais Marbayet qui vient couper en arrivant dans le dos des attaquants. On se dégage sans problème côté BDS, 3-0 à la moitié de cette game. Ouais, pour l'instant c'est un peu compliqué, pas la moindre occasion pour les Sandro Gaming alors que BDS va essayer de remettre ce ballon vers l'avant. Extra pour le solo play, il y a Okalid qui va au duel, le petit preset extra, il va éliminer un premier joueur, heureusement que Tulk va chercher une démolition sur Monkey Moon. Marbayet en deux temps très intelligemment joué là, qui va conserver la possession, hein. Le premier joueur, un deuxième, extra qui va pouvoir s'élancer, on élimine un autre. Et derrière, pas de 50-50 favorable pour notre petit prodige national. Khalid sur le côté, oh là, ça manque de peps cette passe malheureusement Boyan. Non, il y a eu un petit double commit là, peut-être pourra-t-on en profiter, mais Marbayet qui n'a peur de rien, hein, malgré le double commit de ses deux coéquipiers, il est allé au duel, et bien lui en a pris puisque celui-ci a été remporté et que la possession est en faveur de BDS. Le petit décalage de Monkey Moon pour extra, Marbayet ne pourra pas finir, il y a Monkey Moon qui va maintenir quand même la pression, finalement on va reculer. Marbayet, petite démolition au passage, et plus de boost pour lui. Extra vient de le shipper à cet endroit du terrain. Delka en deux temps. Marbayet qui dégage, qui repousse. Ils vont pas réussir à attaquer les Sandro Gaming. Et on se dirige vers une victoire confortable, une qualification très confortable des BDS. 1 minute 12 pour inscrire 3 buts, pour emmener cette game 4 en overtime. Je suis sûr que tu y crois, Ima. Ouais, j'y crois beaucoup. Alors peut-être, on est un peu en tout cas derrière les Sandro Gaming. Bah, ça va être compliqué hein, quand même. Il va falloir essayer d'en faire un peu plus. Marbayet, comme il est partout en défense, c'est impossible d'avoir la moindre occasion. Hein. Il est capable, voilà, et c'est ça qui est intéressant aussi par cette équipe de BDS, c'est que il n'y a pas de rotation là. Ils vont aller chercher les ballons, ils reviennent en défense. Hop, je suis le premier joueur, je vais intervenir directement. Et ça laisse aucune occasion aux adversaires. Alors si on était en rotation classique, bien sûr qu'il y aurait des espaces dispo. Mais là, Marbayet fait un travail incroyable au milieu de terrain. Il n'y a personne qui passe côté Sandro. Mais ne serait-ce pas du smart chase, Saïma? Mais oui, c'est ça. Du smart chase, exactement. C'est ça quand on optimise les décisions. C'est parfait. Effectivement, les décisions sont prises très, très, très rapidement et toujours en connaissance de cause, en conscience, en toute conscience du positionnement des coéquipiers. C'est cette force, hein, on se connaît absolument par cœur, cette synergie qui a été quasiment immédiate du côté de BDS. Un rouleau compresseur lorsqu'ils sont dans un bon jour. Et on ne saura pas vraiment si c'était le cas aujourd'hui. Ils ont très très bien joué, hein, ils ont complètement fait le taf. L'inconnu, c'est le niveau de Sandro Gaming, particulièrement avec ce troisième joueur, TRK Tulk, à la place de Senzo. En tout cas, aujourd'hui, ça n'a rien donné. Attendez, ils sont là les BDS, il y a leur webcam. Évidemment, toujours Monkey Moon et Extra qui sont du côté de la Gaming House de BDS. On les retrouve comme on les a quittés, j'ai l'impression. Ouais, exactement, c'est toujours la même chose, cette équipe des BDS qui a misé sur le bootcamp. On joue professionnel, on joue solide, et contre Sandro Gaming, bah, là j'ai l'impression que ça déroule totalement. Il n'y avait pas d'adversaire là sur ce BO7 malheureusement. On espère que Sandro prendra l'expérience. Parce qu'on aura besoin pour cette saison des RLCS. Ouais, ils sont pas éliminés, les Sandro Gaming. Hein. On les retrouvera demain en lower bracket. Et là, en revanche, il va falloir absolument s'imposer. Parce que, vous le savez, en lower bracket, il n'y a pas le droit à l'erreur. Et c'est ainsi que s'achève cette première rencontre. Pardon. Quart de finale, le winner bracket. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de live, Ima, qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? On parle de WePlay Esports, c'est vraiment l'event juste après l'annonce des RLCS, c'est vraiment pour faire monter l'ambiance avec 4 matchs pour cette soirée. On a commandé BDS contre Sandro Gaming, derrière on va suivre avec Vodafone Giants contre les Guild Esports, et derrière on a gardé le meilleur pour la fin comme d'habitude, Vitality contre les Dignitas avec Scrub Killa à la place de Violent Panda, et derrière les Semper Esports contre la K-Corp. Ce sera les premiers pas officiels de la K-Corp, de la structure française à très haut niveau sur Rocket League. Et oui, tout ça en BO7, et tout ça c'est seulement aujourd'hui, mais demain on a le début du lower bracket, on a le début des demi-finales, upper bracket, samedi il y a encore, dimanche il y a la grande finale, BO3 de BO7 nous dit-on pour la grande finale, oui, beaucoup de Rocket League avec du très
des équipes, bah, vos équipes préférées, hein, ils sont tous là, ils sont tous là, toutes vos équipes préférées sont là ce week-end sur Rocket Baguette. Prochain match donc, Giants contre Guild, les Vodafone Giants, ce n'est pas les mêmes Vodafone Giants qu'avant, ils n'existent plus, ils se sont un petit peu dispatchés partout, deux tiers d'entre eux sont devenus la K-Corp, on les verra après. Ils vont affronter les Guild Esports qui eux aussi ont eu un changement de roster. On va vous présenter tout ça avec Ima dans quelques instants. Avant cela, bien évidemment, la petite pause de rigueur et on revient, il nous reste 3 matchs à suivre en BO7 aujourd'hui. Vita, BDS c'est passé, 4Z, c'est passé trop vite, BDS, K-Corp, Semper Esports, Casio Chaussette, Mamma Mia, ça va être exceptionnel. Merci beaucoup d'être avec nous sur Rocket Baguette, le temple de l'esport Rocket League en français. Une fierté d'être avec vous, de vous retrouver, un grand plaisir de vous retrouver après des mois et des mois d'absence, en tout cas du plus haut niveau. Bref, allez, petite pause, on revient dans quelques instants. Merci d'être avec nous.
3-2-1. 3-2-1, Imagine Action. Nous sommes en direct pour le deuxième match de ce WePlay Esports Invitational. Désolé pour la pause un petit peu plus longue que prévu. Le match est censé commencer à 18h00. Voilà, on a eu un 4-0 dans la première rencontre qui a démarré avec un petit peu de retard. C'est le temps pour nos nouveaux copains de WePlay Esports qui font leur début sur Rocket League. Ils ont déjà organisé des tournois sur d'autres compétitions. Et c'est leur premier essai sur Rocket League. Qualité de production, pour le moment, pas trop mal. Mais un petit peu de retard. Vous nous en tiendrez par rigueur, je l'espère. Parce que de toute façon, on peut pas y faire grand chose. Mon dieu, ça a démarré beaucoup trop vite, Sima. Ce match entre les Vodafone Giants et les Guild Esports qui a démarré, c'est le deuxième quart de finale. Toujours pas d'overlay, mais on a confiance que ça devrait arriver. Ouais, donc on a d'un côté les Espagnols, on a cette team Queso qui a été. Qui est le roster recruté du coup côté Vodafone Giants. Et de l'autre, on a les Guild Esports avec la nouvelle. La dernière arrivée de Boué, le retour, le duo fantastique avec Divo, Boyan. Effectivement, ce duo extraordinaire de Guild Esports et le petit Bluey, l'ancien du PSG Esports, un vétéran de la scène malgré son jeune âge, qui se prend quelques colibés parfois de la part des casters de Rocket Baguette. Ce recrutement nous a un petit peu surpris. Mais voilà, c'est à lui de nous montrer de quel bois il se chauffe aux côtés de cette équipe de guild entraînée par le célèbre coach Gregan, champion du monde avec Vitality. En tout cas, ça peut nous promettre un BO7 très serré entre les deux équipes, les anciens Team Queso qui portent désormais les couleurs des Giants. Ouais, première occasion pour Noli, bonne défense d'Atomic. Pour l'instant, on est bien positionné du côté des Espagnols. Ceylon, ouais, avec Divo qui va mettre ce ballon très fort sur le backboard. C'est Imenza qui a une excellente lecture et les contre favorables. Juste derrière, Ceylon, ouais, avec le Wolfdash là, très bien joué, qui va éliminer son vis-à-vis. Et attention à la Blue et Noli qui vont essayer de combiner. 1-2-3 avec la frappe derrière qui va s'écraser sur le poteau. Blue qui malheureusement ne pourra pas redresser ce ballon. Imenza détruit in extremis par Noli. Ouais, attention à ce pinch de la part d'Atomic. On va pouvoir se respirer un petit peu là du côté des Guild Esports, mais attention tout de même à ce flip reset récupéré par l'Espagnol. On peut repartir en contre-attaque. Attention à ce redirect, ouais, de Bluey. Boyan, c'était somptueux. Ouais, c'est bien fait. Un cours de ressources, Bluey qui parvient quand même à toucher ce ballon et à venir le mettre au fond du but sur cette belle passe de Noli. On a exploité l'espace qui était laissé avec le troisième défenseur. Il me semble que c'était Atomic qui est allé dans son coin de corner, qui n'était pas en position de défendre. Et c'est donc les Guild Esports qui frappent les premiers. Ouais, Bluey qui va remettre ce ballon dans la boîte. On va faire sauter les Espagnols. Noli pour une double tap, un contre obtenu qui va s'échouer sur le poteau, pas loin du 2-0 là, les Guild Esports. Noli, on va ce ballon, on va essayer de temporiser un maximum avec Ceylon. Il va combiner avec Dimenza qui est de l'autre côté. Contrôle de balle un peu raté. On va pouvoir remettre ce ballon dans le dos de la défense. Divo avec Ceylon, ouais, très beau contrôle de balle. Attention, contre favorable de la part de Noli. Atomic va renvoyer ce ballon sur le backboard. C'est un peu rendu. Divo ne sera pas plié pour dégager de l'autre côté. Ceylon, ouais, Atomic qui n'a pas les ressources. Du coup, Ceylon qui va tout seul. Dimensa qui prend le relais. La double tap, ce ne sera pas cadré. Ça va être défendu. Et attention, ils se sont livrés. C'est un open net pour le but du break. Oh, les Giants là qui. C'est un de leurs défauts, effectivement. On se donne beaucoup trop. Voilà, c'était deux joueurs sur la même ligne avec en train de protéger la même zone de jeu. Et Dimensa, le pauvre là, il ne redirige pas ce ballon dans la cage. On s'est fait un peu surprendre, mais un peu gratuitement, quoi. C'était l'agressivité gratuite du côté des Espagnols. Ils nous ont habitués à, bien sûr, voilà, au double commit et triple commit. Mais quand ils s'y mettent, on peut avoir de belles phases de jeu. Allez, on est reparti du coup avec justement Atomic, le solo play peut-être avec Ceylon. Mais c'est très bien défendu par Divo qui défendait le backboard. Ouais, l'expérimenté champion du monde, RLCS saison 3, qui va tenter la démolition. Finalement, il joue le ballon avec Dimensa qui était allé chercher le boost. Et là, on va repartir avec VK Ceylon qui a pas mal d'espace là dans l'axe du but. Au niveau de la ligne médiane, il est passé, il a éliminé un joueur, mais c'est dégagé derrière par Divo. Bluey qui va essayer de lui remettre. Divo qui rejoue. Atomic qui coupe bien la trajectoire. C'est une passe vers Ceylon. Atomic ne peut pas exploiter cette balle, c'est l'une qui parvient quand même à contrer. Bluey, la récupération, le contrôle. Dimensa qui recule. Bluey qui va se présenter dans les airs. Dimensa remporte le duel. Ouais, Atomic qui va redonner ce ballon à Ceylon. Le flic est parti, mais il y a déjà Noli sur la trajectoire. Bluey pour Noli. Est-ce qu'on peut combiner là, la caméra qui part dans tous les sens? Il va temporiser un maximum. Attention à cette relance dans l'axe. Dimensa qui va essayer de dribbler gauche-droite, gauche-droite.
Malheureusement, le crochet de Ronaldinho ne passera pas. Divo à la récupération. Ceylon. On va essayer de remettre ce ballon dans le corner. Loué. Ouais, la relance dans l'axe est très bien défendue par Atomic. On essaie de garder ce ballon dans le camp des Anglais. Atomic, une nouvelle fois, est-ce qu'il peut trouver une passe dans l'axe? On a un overlay. Oh oui. Qui est tout beau de leur côté. Ça, c'est beau, Boyan. Et merci. Thank you, We Play Sports Invitational pour ces overlays, ces logos. Les Vodafone Giants. Nouveau logo, hein, vous le noterez. Attention, Dolico qui va la retoucher. Ce ballon qui flirte avec la ligne, qui frappe l'intérieur du poteau, mais qui ressort. On n'était pas loin du troisième but des Guildy Sports et ça repart très vite de l'autre côté, mais le backboard est parfaitement défendu par Bluey. Ouais, Divo qui essaie de renvoyer, Dimenza, Tomic, la connexion, est-ce qu'on a un troisième joueur? Ceylon, tout seul, pas de flippirette. Est-ce qu'on peut chercher un contre? Finalement, c'est Bluey qui défend plutôt bien. Ouais, Divo qui va relancer vers l'avant, est-ce qu'il peut chercher un contre sur Dimenza? Ce sera récupéré par Noli, pas de solution pour le joueur anglais. Dimenza qui va chercher la double tap de son propre backboard. Heureusement que Ceylon avait bien suivi. Atomic, ouais, de l'autre côté, on va temporiser un maximum. Là, du côté des Guildy Sports, on est en avantage. Est-ce que c'est une feinte de Noli? En tout cas, c'était astucieux. Atomic à la relance, c'est bien contré. Derrière, les Guildy Sports dominent. Ouais, avec Bluey là, qui vient récupérer, qui fait une très très bonne première game pour le moment avec ses nouveaux coéquipiers. Ça a bien travaillé cet été, mais évidemment, on peut faire confiance à coach Gregan pour préparer son équipe de la meilleure des bannières pour cette nouvelle saison intense qui nous attend. Et une équipe de Guild avec de très très grosses ambitions matérialisées par une première victoire dans cette manche, dans ce quart de finale winner bracket. 1-0 pour Guildy Sports dans une rencontre qu'ils ont plutôt maîtrisée, Ima. Ouais, complètement. C'est surtout sur deux contre-attaques, on défend plutôt bien. Derrière, on explose vers l'avant. Là, la passe vers l'avant, direct en première intention pour Blouet, pour un redirect avec le prix flip. Et aussi, bah, cet open avec... là, c'est la team Kesso un peu là qui se jette, qui essaie de se créer des autres.